pour la mise en terre, les prières d'abord, suivi de la mise en terre, se développeront. Encore une fois, paix et repos éternel, Allah, il était et l'âge, Al-Khali, Mohamed Keïta. Sur ce donc, nous allons inviter à ce micro certains amis et proches. Et pour commencer, nous invitons El-Hadj Abdoulaye Djabi qui va tenir, vous donner sa part de témoignage, d'hommage, vous très cher regretté. Je vous remercie. J'avais beaucoup de difficultés pour parler, mais je vais m'efforcer de parler. Al-Khali Mohamed Keïta est arrivé au lycée classique moderne de Dakar en 1959. En 1959, il y avait une partie du lycée qui était installée à Labé et une autre partie à Dalaba. En 1959, quand le colon partait, le colon français partait, il a amené toutes les archives. Et je crois que cette partie de l'histoire d'un pays, du financement de Bangoura, doit tout faire pour que ce soit éclairci dans l'esprit de la jeunesse. Non seulement le colon est parti avec toutes les archives, mais tous les fonctionnaires qui relevaient de l'Est-Sahara. Béninois, Daoumé, Togolais, Sénégalais, Ivoiriens, Soudanais, étaient contraints de quitter. Les Français qui sont restés, le gouvernement français les a mis en demeure de choisir entre la nationalité française et le demeurer à Béninois. Je prends le cas d'un seul. Le proviseur du lycée à l'époque, M. Jean Sérémy, il est resté un peu longtemps et il a été menacé. Et le principe curé, notre curé, lui a dit de rester. Prendre le lycée, passer le lycée technique, au collège pour les jeunes, aller les former rapidement. Parce qu'à l'époque, quand tu avais le CEP, on te prenait immédiatement pour aller enseigner. Sans aucune formation. C'est ainsi que les cours normaux de Massanta, de Dabadou, ont été créés, l'école normale supérieure de Kindia, pour former rapidement des cadres pour venir combler le vide. C'est ainsi donc que certaines écoles nationales ont été créées, l'école nationale de la santé, l'école nationale d'agriculture. Bref. Les Al-Khali se sont retrouvés donc dans cette cohorte. C'est pourquoi j'ai dit, et je répète, nos camarades de cette génération ont été des héros. Des héros. Et ils ont formé. Ils ont formé avec beaucoup de compétences, d'abnégation, du don de soi pour la nation. On trouvait de très hautes pensions. Beaucoup d'entre cette génération, d'éléments, le ministre de la République. Je vais citer les Allemands qui habitent, les Spidards, les Germains de la Fille, les causeurs de l'humanité, les camarades de la Mécapie, etc., etc. Donc, Al-Khali a été dans cette cohorte. C'est pour vrai. La génération de ceux qui ont, à l'époque, étaient les plus médecins dans les régions administratives. Tu sortais directeur de la santé, tu étais directeur régional de la santé. Tu sortais d'une autre, tu étais directeur régional, parce qu'il n'y a pas de cadre. Un autre problème, deuxième entrée sur lequel on vous parlait, parce que Dieu dit, quand tu as été témoin, il faut dire la vérité. Al-Khali a été parmi ceux qui ont fait que M. Katanga a été libéré de la prison.
Al-Khali, quand on s'est connecté, Mamoudou Keïta, elle a mis ça sur la nous. On fait des pressions réelles sur le président de la République. Quand le président Chirac est venu, il a dit, bon, il faut dire non, on est venu pour le barrage, on n'est pas venu pour parler des problèmes intérieurs. Il a eu le courage de s'asseoir devant le président pour lui dire, il faut le libérer. Ça, c'est les partis qui ne sont pas connus de la population. Mamoudou Keïta est décédé, Cheikh Konaté est décédé, Al-Khali est décédé, il reste un petit peu sur la main, là il faut ça sur la main. Donc c'est le temps de faire le témoignage devant l'histoire de ce pays. Il y a même des moments où Al-Khali était naïf. Naïf parce qu'il était entier. Il est avec vous, il vous fait confiance. Il est avec vous, il vous suit. Il vient vous, comme quelqu'un l'a dit, ce sont ses dents que vous voyez. Nous prions Dieu qui lui accorde le pardon. C'est très long ce qu'on a à dire. On me demande d'être bref, c'est pour que j'essaie de tout faire. Ce qu'il a fait pour le pays, c'est Dieu seul qui peut le compenser. Je dis ici, dans un de mes témoignages, je prie et je demande au gouvernement de faire en sorte que tous ceux qui se sont sacrifiés pour ce pays, que le gouvernement fasse qu'ils aient une fin. Qu'il est grave. Je ne cite qu'un cas, je sais que le fait, c'est que Koundé, le grand footballeur de ce pays, va fouiller. Et, bref, je prie Dieu, que Dieu lui accorde le paradis et le repos de l'âme. Et je demande à la famille de prendre courage. Al-Khali a été utile à son pays. Et si on a été utile à son pays, c'est le paradis que le bon Dieu lui a fait. Ça va. Afin qu'on puisse respecter le chronogramme défini par la ligue islamique, puisqu'il y a 70 km à pratiquer pour la mise en terre. Nous invitons donc Nadwa Bangali Camara de la province Soria. Chers pères, mes chers frères, merci d'être venus nombreux pour les obsèques de l'élève Al-Khali Mohamed Keïta. Mais avant, permettez-moi de bien vouloir remercier le Tout-Puissant Allah dont la grâce nous a permis d'être ensemble ce matin ici dans cette salle. Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, l'Omniscient et l'Omnipotent puisse l'accueillir dans son paradis céleste. Al-Khali a été un frère pour nous. Personnellement, moi, je vous dévoile aujourd'hui un secret. Al-Khali a été cofondateur de Penso Soria, car grâce à sa complicité, il m'a épaulé dans les démarches jusqu'à la validation du projet de création de Soria par l'ex-directeur de la télévision nationale, M. Justin Morel-Ginel. Il m'a accompagné dans toutes les démarches. Il était social, philanthrope. C'est un homme dont l'humilité n'a jamais fait défaut. Et si aujourd'hui il nous quitte, il faut reconnaître que c'est un baobab de la culture guinéenne qui nous quitte. Je ne veux pas être long parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Et le mot me manque également pour situer la qualité sociale de l'homme qui est couché à côté de nous. Je remercie tout le monde et je demande à tout le monde, à chacun de nous, de prier pour lui à chaque fin de nos prières. Je vous remercie. Nous invitons à ce micro donc Elhadj Alseni Baoura, inspecteur régional adjoint de la Ligue islamique de Conakry. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي جماعة المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعكري وما سيدة جنرال ليجي سلامة ناسونال ف
فضيلة الشيخ الأكبر رجع لي جمال بنقول بركة مع سيدي الأمة دي مياج نار مغبه الأخا الخالي محمد كيتا بافي لجنيرة مخيو ميرا والمفو ألا ألا النوبيرا أولي نارا قرنت مارا أمدى لي توغنا مسلمي ياما أمدى لي توغنا قبلاسون ياما أمدى لي توغنا مالام بوري ياما ألا خالي خالي مو أمو غرما مغتون منيما أقول بوري أو ما سكتاش لأن النتران ديما ترمى قلو ريكي نحن نرى أننا سمعنا خبيلة بهاتية جي بوارنا على رأينا يمنى بردفارا كلبي حفوري أولي ما الخال خالي إيرو نارا خيما نارا ديما نارا أبرا ولينا هنا بالكنا بلا صوت بي أبرا يمنى من فكينا غي باقي كل لا أخا إسبرانس كيما أخا إنديكاسيون كيما مخيلة يلا كيما أصوب ما سمعي به، ألمني ما سمعي به، ألمني ما سمعي به، الخال خالي محمد كيتا، ونا ما سمعنا أي ما به، أجيب به، أجيب به، إخوتي الخابولي نارا، الخا يمان فني بلو في أدي نو أجيب ما، وش مبين كديه، كديه مبين كديه، أنك كيني كديه، وين ما سمع تما جرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan rumah mana nala mahandi alhai alhalim Muhammad kita be alham Muhammad kita. Walaupun yang akan beri perkara hafiz kita, nak amfaga ban, nak amufaga lagi leh tidak. Mar rumah mar alam mahandi. Ayat yang akan bahas serkel lagi leh be lagi leh be. Ayat yang ni mana lagi leh non lagi leh be. Alku lagi leh pas kejari ma lagi leh di pas kejari ma. Anak bapa nak katakan. Aka katakan ala musuh sendiri dia abet tunan na mar alam mahandi. Atayu, wuntayu, e alam margi, ala de ubirma. Mbar alam mahandi, mbadi kalam mande, adembara de e bubi, lanyi, akirayana ala nanyi, ala lanyi tutegi. Fakemu koroho, kambiye la pina koroho. Alam margi, ala kambiye la mafi ima, ala de ubirma, ala de shukiri, ala de mikiri. Ada madina la, fimu kanayi, fekanayi, afi amu fekanayi, fekanayi, anakan kanakba, nakan kanakayi ba, ala kadya birma, ala masyari la muhammadi wa lalum. Elaj Asman Bangura, notre doyen. Je me dois de rendre hommage à Alhal Mohamed Keita. Parce que je l'ai connu, je l'ai aimé, il m'a connu, il m'a aimé, nous avons été très proches. Ce faisant, je dois remercier le chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui nous a honorés en présidant lui-même la cérémonie de levée du corps de notre très regretté Alhal Mohamed Keita. À sa suite, nous devons remercier également le Premier ministre, le docteur Ibrahima Kassori Fofana, qui, certes discrètement, mais constamment, efficacement, a toujours soutenu El Hadj Alhali Mohamed Keita. Je le lui disais tout à l'heure, à cette troisième personnalité que je cite ici. Je disais tout à l'heure à El Hadj au secrétaire général de la Ligue islamique, je lui disais que ce deuil, lui, il le porte et il le portera pour toujours, intensément, publiquement ou intimement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de leur relation, mais il y a très peu d'hommes dans la vie de El Hadj Mohamed Keita qui aura
occuper la place qu'il a occupée. Je dis que je voudrais rendre hommage à LH. On se pose la question, ne dit-on pas que le journalisme, ce plus beau métier du monde, le journalisme mène à tout. Le problème est de savoir s'en sortir. LH, Al-Khalid Mohamed Keïta, a été partout, a touché à tout et a toujours su s'en sortir. Je prends simplement le domaine de la politique. Y a-t-il un Guinéen qui se sera engagé aussi loin, aussi valablement que LH Al-Khalid Mohamed Keïta? S'il y en a, ils ne sont pas très nombreux. Il aura été maire de Matoto, mais il a su se retirer de cette égalité avec honneur. Il a gardé tout son prestige, il a gardé tous ses amis, il a gardé tout Matoto pour lui. Et je ne vais pas rallonger. Je prie personnellement pour lui, pour autant que ma prière puisse être exaucée. Et je requiers de chacun de vous qu'il prie fiévreusement, qu'il prie sincèrement, qu'il prie avec... Témoignage de l'Union des sites artistiques et culturels de la RTG, PESEP, Benso Sodia, Léouyère, Benda, Nil Palou et Kanouki. L'émotion qui nous anime en cet instant ne nous permet pas de faire un long discours. Force nous est quand même de parler brièvement de ce triste homme qui nous quitte aujourd'hui. Nous ne nous attendions pas de si tôt à la disparition brutale de ce grand fondateur, rassembleur, guide et conseiller culturel que fut Elhadj Al-Khalid Mohamed Keïta. Pour la petite histoire, dans les années 84-86, un vide culturel semblait se créer aux écrans de notre télévision nationale. Alors, Elhadj Al-Khalid Mohamed Keïta prend l'initiative de fonder les groupes artistiques et culturels émanant de nos quatre régions naturelles avec pour but essentiel de sensibiliser, d'informer, d'éduquer et de distraire le peuple par le biais du théâtre audiovisuel. Sous sa coupole, nous nous y sommes investis gratuitement de 1986 à 2000. L'homme n'a jamais accepté l'échec. Quand il nous a manqué de subventions de la part de l'État, il nous a demandé de transformer notre association en union. Les six troupes unies ont joué « La Guinée est une et indivisible », sous l'arbre à Pala, etc. Hélas, nous a toujours instruits de lutter contre l'ethnocentrisme qui prend des dimensions inquiétantes dans notre pays. Par le biais du théâtre audiovisuel, hélas, tes combattants que nous sommes, te promettons remporter la victoire sur ce fléau. Hélas, tu as fait de ta concession notre lieu de répétition. Tu mobilisais tes épouses et tes filles à faire notre repas. Il n'y a pas longtemps, quand tu te portais encore bien, que tu nous as dit de te laisser te reposer vu ton âge avancé et que tu gardais l'œil sur nous pour tout conseil. Tu as mis ta cour à notre disposition. Nous ne savions pas que tu parlais du repos éternel. Nous avons en cœur cette phrase que tu aimais prononcer, je cite, « Il n'y a pas de futur sans culture », comme dirait l'autre. Ntara, tu nous quittes au moment où nous avions le plus besoin de toi. Tout puissant Allah en a voulu ainsi. Nous prions pour toi. Le protéiforme est large.
Abdelkarim Mohamed Keïta. Encore une fois, merci, monsieur le Premier ministre. Vous avez eu un moment où sont intervenus déjà pour l'ultime hommage. Et là, l'inspecteur de la régionale de la Ligue islamique. Là, je m'en mets de... Voilà. Il est là. Il va intervenir maintenant. Donc, il est intervenu. Tout comme je suis en ce moment. Et là, mon maître Camara, s'il vous plaît. Ami du ministre. Une personne qui ne faisait pas de différence entre les hommes. Ce n'était pas un homme rancunier. Il aimait ses semblables. Il cessait à rassembler les fils de la Guinée, à amener la paix dans notre circonscription électorale qui était notre tour. Nous avons travaillé pendant 16 ans ensemble. Jamais au plus grand sommet, je l'ai vu passer. Lorsque vous le voyez devant vous, pensant à un moment où il est passé, et il y avoir des termes d'humour pour que tout le monde soit, ou même diapason, pour que tout le monde soit content. C'était un très bon souci. Je voudrais tout simplement dire à sa famille, Abdelkarim Mohamed, père son âme, est physiquement parti. Mais l'histoire lui retiendra qu'il a travaillé pour la Guinée et que la Guinée lui retiendra un jour. Je voudrais remercier aussi la présence physique du Premier ministre, qui certainement, nous le savons, il est là parce qu'il considère l'homme. Pas parce qu'il est de la basse Guinée, mais c'est parce qu'il a travaillé pour la Guinée. Je présente mes condoléances les plus attestées à tous les imams de Maputo. Parce que lui et moi, nous avons fréquenté plus de 200 mosquées de vendredi, moins les autres vendredi, moins les autres mosquées. C'est pour vous dire, combien de fois il était engagé pour le stade. Je vous remercie. À nous, à son cré, Abdelkarim Mohamed Keïta, que la mort vienne nous arracher. Mon émotion est d'autant plus grande que ce illustre disparu a consacré une tranche essentielle de sa vie à l'animation du programme de la radiodiffusion nationale guinéenne. C'est le lieu pour nous de magnifier l'œuvre qu'il a accomplie au service des milliers et des milliers de téléspectateurs et d'auditeurs de notre pays. Ses collègues, collaborateurs, ont retenu de lui l'image d'un homme à dimension politique, à de nombreux talents qu'il a utilisés et exploités pour s'adresser aux populations guinéennes. Tous lui reconnaissent les mérites, la maîtrise de sa langue et le sens de l'humour dont il s'est servi pour véhiculer, transmettre des messages de haute portée philosophique et morale. Il s'y exprimait avec attachement à la culture nationale et à la patrie, au patriotisme, c'est-à-dire à l'unité nationale et à la paix du pays. Sa génération retiendra de lui des démissions de Talat Tafari. D'être sûr qu'on vécu à cette période, ont tous retenu ces émissions, Talat Tafari, et surtout les prestations de la troupe persienne qu'il a animées à la télévision nationale
et qui a fortement marqué le public guinéen. Le ministère de l'Information et de la Communication qu'il a servi avec honnêteté, avec sincérité, avec engagement, lui reconnaît justement ce mérite et aujourd'hui s'incline devant sa mémoire pour que son exemple serve à la postérité guinéenne et à l'ensemble de l'humanité. Déléance à la famille et brève à Alaï Mohamed Keïta, au gouvernement, à nos confrères aussi. Nous voudrions aussi, comme Alaï Mohamed Keïta l'avait dit, il est mort, la troupe n'est pas morte. Les camarades étaient là, ceux qui l'ont côtoyé au lit de son malade. Il a laissé une mission à certains de nos camarades de continuer cette troupe. Nous demandons aussi au gouvernement, en l'occurrence à la personne du Premier ministre et du ministre de la Culture et ses collaborateurs, de relancer PC, de relancer les troupes nationales qui ont pour vocation d'informer, de distraire et d'éduquer. C'est la vocation de PC. PC éduque, informe, distrait aussi. Ça manquait à notre culture. La culture est une transmission, je ne sais pas comment dire là-dedans. Tout le monde n'est pas artiste. Il est artiste ce qu'il est. Donc je voudrais dire ici, nous sommes les mieux placés pour éduquer et de distraire et d'informer la population à la base. Si on reprend Pessé, beaucoup de choses se font maintenant dans ces éducations dépravées-là. Pessé pourra, parce que nous, on a l'attitude d'être dans tous les cours. On éduque. On informe, on distrait. C'est là où on a perdu. Parce qu'en langue nationale, les soussous éduquent à leur façon. Les malinqués à leur façon. Les peuples à leur façon. Et tout marche très bien. Je prie le gouvernement et le ministère de la Culture de revenir à ça pour que nous puissions mieux éduquer la jeunesse actuelle. Comme je l'ai tantôt dit ici que tout est fini, il est lieu de dire ici que moi, personnellement, je souhaite mes condoléances à Alkali Mohamed Keïta, à la famille d'Alkali Mohamed Keïta. Bientôt nous allons l'enterrer et que Dieu a béni nous verra. Parce que presque tout le monde est parti. Hein. Je me souviens de la mort de Nabila Modou. Quand il rédigeait l'allocution de condoléances, je dis, mais écoute. Il m'a regardé, il dit qui va écrire. Je dis non, non, c'est toi qui vas écrire, je suis derrière toi. Et il a arrêté d'écrire, il m'a regardé. J'ai dit oui, écris, moi je suis derrière, c'est toi qui es devant. Vous avez vu comment Dieu fait les choses? Non, 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 la fait à Guénou, Béta Guévacuya. Mandassa, il m'a dit, moi, on a oubé, on a oubé, on a oubé, frère, au salam. Lui, il a continué à l'école normale. C'est ainsi qu'il est devenu enseignant. Nous autres avons continué, moi au collège de Poléa, lycée d'Oka, université. Ça, c'est le chemin de Dieu. Nous voulons remercier le gouvernement, le président de la République et son premier ministre d'avoir pris le temps de venir se recueillir sur la dépouille de notre famille étoile. Merci de l'un des messieurs, même d'armes. Je parle au nom du lycée classique de Dalabar. Je ne vais pas citer le premier ministre, j'ai déjà cité le cardinal. On n'est pas nombreux, mais Dieu nous a permis d'être au service de ce pays et ce pays est resté reconnaissant à ses serviteurs dont nous faisons partie. Merci à cela, monsieur le Premier ministre. Merci, professeur Fakwadi. Merci, mesdames et messieurs. Je voudrais qu'il plaise, avec la permission de monsieur le secrétaire des affaires islamiques, de lire un verset pour mon ami. Bismillahirrahmanirrahim. Il n'a pas de faire de la vie. 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 J'implore les anges d'être clément avec notre ami. Wassala. Via sa fille, elle a un mal à la mort. Elle a un feu. On a dit oui à la mort. Donc, elle a fait de la mort. Moi, elle n'a pas de mort pour dire la langue. Mais oui, ça va pour moi, elle a un massif. A Singé, on va aller à la rue de 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 la
à remercier le CMA afin de dernier à l'armée de Fra, Mouta Kilikile Mati Radio, afin de vivre le barré, mais n'a plus de formato, n'a le médecin de Tabo, au ma premier ministre en Wali, au ma secrétaire général Fanda Naba, en Wali, et n'a pas de la Wali en Rambani, on a l'aide à l'armée de Tawa Fanda Naba, on est là. Et nous massacrons les salariés de l'Inima. La réalité, la vérité, n'est dans sa maquille. Et nous percevons les guéris, souffrir, route derrière la quartier, n'est dans la maquille. Mais tout, depuis que c'est fini, nous ne pouvons pas pagayer dans tout. Donc, ma première ministre, ma grand-mère, 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 ma Abengi la fa mambo ko musir ba ambe isi nge ka amasi musir ba mambo ko be ara no ke ta na ta mo fala mambo ba parce que na ma te ko fala mambo donc no ma ke dira ko mambo ba ni ala ya fa ma ala wa na na mu ahadim ba ya ma ala wa na ni be se furi ma ni ba fe ni dira ba ni ko be no ma te ko na ma se se le ra ma Le professeur Afira, au nom de l'Ontario, à nous avons un mosquée, nous avons un mosquée, nous avons après, la majeure partie de la responsabilité de l'Ontario, et nous avons un mosquée. Donc, nous avons fait un peu de choses. Yamos Satoui. L'âge Al-Kadi Mohamed Keta. Le deuil, une fois de plus, est venu frapper au sein des travailleurs de la RTG, particulièrement, mais également tout le peuple de Guinée, en arrachant à notre affection l'un des fils voyants parmi les illustres. En ce destin d'émotion qui nous voit rassembler autour de cette toupie, de cet temps de douleur et de mystique résignation, en ce destin de deuil qui nous étreint et que ressent si durement toute la nation guinéenne, c'est avec une indicible compassion qu'au nom de notre classe ouvrière dans sa globalité, je viens, en ma qualité de syndicaliste du secteur de l'information, rendre un dernier hommage à El Hadj Al-Kadi Mohamed Keta, ce journaliste émérite. Ce patriote ardent, doublé d'un grand talent artistique et culturel, et qui demeurera pour la postérité l'une des figures les plus emblématiques. Celui qui nous a quittés pour l'éternité est l'âge Al-Kadi Mohamed Keta, est né le 12 février 1940 à Buramaya Koubia, préfecture de Brika. Fils de feu Ali Keta, et feu Aïssata Silla, marié et père de 20 enfants. Sur le plan scolaire, il fréquenta l'école primaire de Ouassou de 1954 à 1960, ensuite les études secondaires 1960-62, lycée classique de l'abbé Annette de Dalara. 1962-1960, il bénéficiera de 2 mois de stage en route Volta, laquelle Burkina Faso, et en 1985, il fera 7 mois de stage à la Radio Deutsche en Allemagne. Il fut un grand sportif, footballeur. Voilà un palmarès qui se passe de commentaires. Et là, Al-Kadi Mohamed Keta, qui n'a pas vécu en vain. Tout me quitte au relais de gloire. Tout me quitte après avoir rattaché ton chaînon pour la postérité à la chaîne historique
des dignes fils de la Guinée. Tu nous quittes, emportant pour l'éternité nos prières les plus ardentes pour le repos de ton âme. À tes quatre épouses éplorées, à tes 20 enfants, si durement éprouvés, à toute la famille, nous adressons nos condoléances émues. Hélas, Alkane Mohamed Keta, dont la paix et que cette terre de Guinée qui t'a enfanté et à laquelle tu as tout donné te soit déjà. Amen. À notre papa. La mauvaise nouvelle a encore sévi. Elle vient d'arracher à notre affection notre célébrisme, papa. Et là, j'ai pas le Mohamed Keita. Impitoyable est la mort, qui nous prive désormais des conseils judicieux et avisés d'un homme d'expérience, d'un leader écouté et d'une figure affable et courtoise dont les prises de parole étaient des moments empreints de grande sagesse. Au nom de mes braves mamans, Marie Camara, Mabinti Kaba, Massire Camara et Malia Kaba, et de tous mes frères et sœurs, je m'incline très respectueusement devant ta mémoire. Cher papa, tu nous as abandonnés à mi-chemin entre l'honneur et la gloire pour un voyage inopiné à destination inconnue. Je n'ai aucun doute que de là où tu te trouves maintenant, tu continueras d'inspirer et d'assister tes enfants et toute ta famille à qui tu manques déjà. Mais sois sans inquiétude, car je crois à la capacité de tes enfants de transcender la douleur pour porter haut le digne continuateur de tes œuvres. Ta Guinée que tu as tant servi avec dévouement, abnégation et loyauté te pleure déjà. Les grands hommes, ceux de ta trempe, savent quitter la scène et choisissent toujours les meilleurs moments pour tirer leur révérence. Ton émission phare à la RTG s'appelait Talat Efaré ou les causeries du mardi. Et tu me quittes un mardi. Premier maire de la grande commune de Matoto, tu as toujours été premier à l'école. Chef d'orchestre du Sombajas de Breka, tu as été un chef incontesté, voire l'initiateur des troupes de la télévision nationale pour éduquer le peuple des Guinées. Que le miséricorde et la grâce de notre Seigneur t'accompagnent dans ton ultime voyage. Dors en paix, Allah Mohamed Keita, et que le paradis soit ta demeure éternelle. Inna lillahi wa inna ilayhi raja'un. C'est à Dieu que nous sommes et c'est à lui que nous retournons. Dors en paix, Mba, mon péri, papa qu'on aimait t'appeler affectueusement, tes enfants qui te pleurent incessamment. Dors en paix. Merci. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Monsieur le Premier ministre, فرينا أما سما منك وإليك إخليلا
ou ma président, professeur Alpha Condé Fédéral. L'islam Khalira, Umbar Amasing Alabe Alaïd Wali, Khawnene, Unka Al-Hajj Al-Khal Mohamed Kita Kafi Masintu, Unlouma Bihan Kwera, Undundrunti Lamasim Umabil Masim. Akhada maya akha wali an khandaba anya manebe no anya manedebe anya ni gifanya khatil fanya kon wonno wana sema sende hayna na khamma ile won fama duwa wala dabade. Nedwab, Gulla Hara, Insha Allah, Rabbil Alamina, Hamikina Ham Motore, Al Hajjal, Al Mohamed Kitara, Ekuluman, Al Hamid Dinara, Mugitu Munar. Barbegina Nora, Naham Kulu Kono, Ina Yun Dimi, Ina Yun Nina Burma. Ina didi alima tanu meni lalla fi yala fiwi nga kiri nyabi boki yala fiwi anu boki di kafi yala fiwi nga kula fi ala rigiri ne musingi kaburu tui information na. Ana nawali kumwa mfanki baro fima na wakati arabu RTG sana hunya tu mkutagi na sana hunya na ukontunye kwenye bevi hana ala nilu Dr. Ibrahim Kasuri kufana na tu nyanike tungu lakine fira ala na haragiri mkuna anuwa fema. Basi gini na hampiri njere. Satungu ini kipiri naba. Akhafuri nya. Akhala gine kurinyi. Akhataru kurinyi. Akhanya ni kifanyi. Kupiri mkosana inara. Premier Minister. Ikhilira. Kumbara ala makandi. Ita arafu bebe. Nita nani muta kikulu. Hawuna utuki. Mkuna njere. Mungkin ada nak hendak terkasih, mungkin ada nak hendak yakin mak. Hal kami asuh, kita nak jual sahaja punya orang mak. Anak anak, insa Allah, ayah yakin mak kami masih Premier Minister ber, mungkin ya kami mak, kami ada kan insa Allah, anak anak pun semua berkorban punya, nak ada pun ya berkami, semua berkorban dalam negeri. Ihaina khonfi na mayde khana de manyano khana ngakirinya adunia khana tinene umma sayira ngoma na kham unna masi professeur Alpha Condé be l'islam khalira an wali abara de manyano ngakirinya na kham masi ayete sotofi.
Merci bien. Je suis un Il faut retenir que Al-Ghali était bon, naturellement. Il aimait son métier, il était serviable. Et quand vous travaillez avec lui, vraiment, vous ne vous sentez pas frustré parce que même si c'est un grain de riz que vous gagnez, il vous demande de partager. Si vous partagez, si ce n'est pas suffisant, il dit bon, prenez, moi je m'offre. Al-Ghali, c'était un grand bosseur. Et quand il y avait un événement quelque part en basse-côte ici, il ne voudrait pas être le dernier sur l'événement. Il prend sa voiture, il carbure la voiture et il vous embarque, vous allez là-bas. Vous restez là-bas, vous faites tout et vous revenez pour diffuser pour la première fois. Donc ça veut dire que quelqu'un, c'est quelqu'un qui aimait son métier, qui aimait son travail et vraiment, il encourageait tout le monde. Quand vous faites une émission, par exemple, avec lui, moi personnellement, puisque je m'appelle Mohamed, avant de commencer l'émission, il te demande d'abord quel est ton nom. Il dit Mohamed, il dit non, non, c'est pas possible, toi tu n'es pas Mohamed. C'est moi qui suis Mohamed, toi tu es Momon. Avait un don pour mon métier aussi. Je comprenais vite les choses. Dès qu'on explique son nom, c'est ce que je veux dire. C'est un très sage. En tout cas, il a pu apporter quelque chose de plus à la société guinéenne. Commençant par le football, l'orchestre fédéral et l'éducation et surtout encore entre autres le PSR et autres. Il était maire même de la côte, le premier maire. C'est que je tiens là. Il était seul. Votre nom, c'est voilà, je m'appelle là. Où est-ce que tu as allez Il a aimé la critique qu'on a.